Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre de gagner énormément d'XP en très peu de temps et très facilement si vous suivez bien le tuto. Donc c'est un très gros glitch d'XP qui peut vous rapporter 100 000 XP en une minute, voire même plus. Donc voilà, c'est très rentable. Alors tout d'abord, vous allez devoir aller en mode créatif pour réaliser le glitch et ensuite aller près de cette console-ci que vous voyez, pas les autres, hein, vraiment celle-ci. Et là, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Alors le code, c'est 8 5 7 4 1 6 8 1, 1, 8, 2, 4. Et là, vous allez mettre un point d'interrogation. Ensuite, vous allez aller dans... Ensuite, vous allez taper V. Ensuite, vous allez taper égal. Et là, vous allez mettre 55. De toute façon, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Ensuite, vous allez charger la map. Enfin, vous allez accepter. Et puis, attendre que le chargement de l'île se fasse. Alors, quand l'île est chargée, vous allez rentrer dans l'île. Et là, ben, tout simplement, ça va vous lancer la partie directement. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre tout simplement un ping ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez appuyer sur Options et vous allez retourner à l'accueil. Bien entendu, ne pingez plus autre part ou sinon, ça va enlever votre ping. Alors ensuite, vous allez aller sur votre île personnelle. Donc, vous allez sur cette console. Vous appuyez sur carré. Ensuite, vous appuyez sur R2 pour créer une nouvelle île. Et là, vous allez choisir l'île à gris XL. Ok, donc là vous appuyez sur carré pour confirmer, boum, et là vous attendez que l'île XL se crée. Quand l'île à gris XL est créée, ben, vous rentrez dedans tout simplement. Ensuite vous appuyez deux fois sur X et là vous allez voler jusqu'à la limite de l'île qui est le plus près du point. Donc comme je suis en train de le faire, donc je vais m'arrêter ici, voilà. Ensuite vous allez faire flèche du haut, vous allez aller dans mon île. Ensuite, dans paramètres, et là, dans paramètres, vous allez descendre jusqu'à temps de trouver le paramètre qui s'appelle... voilà, vitesse de vol x1. Vous allez le mettre sur x5. Et là, vous allez mettre vol du joueur, oui. Donc là, vous faites rond. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire flèche du haut, en fait. Vous retournez dans flèche du haut. Là, vous allez dans mode créatif. Ensuite, vous allez dans appareil, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Donc, vous le mettez dans votre raccourci en appuyant deux fois sur X. Ensuite, vous allez sélectionner ce petit accessoire qui est un fournisseur d'objets. Donc, vous appuyez sur X, ensuite vous appuyez sur carré pour le placer dans votre raccourci sur la touche carré. Ensuite, vous allez sélectionner ceci qui est la zone d'altération. Vous allez appuyer sur X et que vous allez placer dans votre barre de raccourci sur rond. Ensuite, vous faites rond et là, vous allez placer en maintenant L2 puis X. Vous allez placer votre plaque d'apparition en plein milieu d'un carré. Donc là, vous voyez, il y a un carré. Il faut vraiment le placer en plein milieu. Donc, vous placez votre plaque d'apparition de joueur juste ici. Ensuite, vous prenez votre construction et vous construisez un toit juste au-dessus de la plaque d'apparition. Alors ensuite, vous allez reprendre votre téléphone en maintenant triangle. Vous allez sélectionner le truc d'altération en appuyant sur rond, donc voilà ceci. Ensuite vous allez le placer en plein milieu d'un carré tout au bout de l'île, donc au bord de l'île. Vous le placez comme ceci, enfin non, vous le placez pas, vous le placez pas encore, hein. Regardez, je l'ai pas encore placé. Vous le mettez au bord de l'île en plein milieu du carré. Ensuite vous allez faire une fois flèche de droite pour que l'axe de la rotation soit en tangage. Ensuite vous allez appuyer sur L1 pour le faire pivoter comme ceci. Donc, qu'il soit vraiment comme ceci, comme moi dans le gameplay. Donc, faites bien exactement comme moi. Ensuite, vous allez maintenir rond pour redimensionner. Comme ça, ça fait redimensionner, oui. Ensuite, quand c'est sur oui, vous allez pouvoir agrandir en appuyant sur R1. Et là, vous agrandissez, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Vraiment bien l'agrandir. Donc, voilà, là, je suis au maximum. Vous l'agrandissez jusqu'au maximum. Alors, ensuite, là, vous allez pouvoir le placer en appuyant sur R2. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous faites rond et regardez, il est bien placé. Alors maintenant, ce que vous allez faire,
c'est ressortir votre téléphone, maintenir L2 pour sélectionner le truc d'apparition d'objet en appuyant sur carré, voilà. Ensuite, vous le placez en plein milieu du carré comme je vais le faire, comme ceci. Et là maintenant, nous allons modifier les paramètres de ceci et de ceci. Donc là, vous approchez de la grosse plaque, vous appuyez sur carré et vous allez mettre les mêmes paramètres que moi. Vous appuyez sur R1, vous allez dans toutes les options. Là, dans toutes les options, vous allez mettre permettre l'usage des armes. Vous mettez sur oui. Ensuite, vous allez dans largeur, donc le paramètre un peu plus bas. Vous allez dans largeur et vous allez mettre 100. Ensuite, vous allez dans profondeur de zone, vous mettez 100. Ensuite, dans hauteur de zone, vous mettez 100. Ensuite, vous allez descendre. Ici, voilà, ici, multiplicateur de déplacement, vous allez mettre sur 2. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez descendre tout en bas et il est marqué quand le joueur commence à faire une émote, transmet, et là, vous mettez aucun signal, donc là, vous mettez canal 1. Ensuite, vous appuyez sur carré pour accepter. Ensuite, vous retournez dans les paramètres et vous appuyez sur R1 pour aller voir les options modifiées. Et vous vérifiez que vous avez bien les mêmes options que moi sur le gameplay. Quand ceci est fait, vous allez modifier les paramètres du fournisseur d'objets. Donc, vous appuyez sur carré. Ensuite, vous allez dans toutes les options. Là, vous allez dans action à l'obtention. Voilà, le troisième paramètre, vous le mettez sur tout garder. Ensuite, dans remise, vous mettez tout objet, tous les objets. Ensuite, dans plus bas, comportement du cycle, vous mettez redémarrage. Ensuite, dans remettre objet, attendez, c'est remettre l'objet si reçu depuis le canal numéro 1. Ensuite, vous descendez. Et là, je crois que c'est passer à l'objet remis. Je crois que c'est celui-là. Je vais juste vérifier. Oui, c'est bien ce paramètre-là. Quand l'objet est remis, transmettez sur canal 1. Et là, vous acceptez. Ensuite, vous appuyez sur carré pour personnaliser l'objet. Et là, vous allez retourner en appuyant sur R1, sur option modifiée. Et là, vous allez vérifier si on a bien les mêmes paramètres que si vous avez bien les mêmes paramètres que sur le gameplay. Donc, quand c'est bon, vous appuyez sur OK. Voilà, parfait. N'oubliez pas d'appuyer sur carré pour sélectionner les paramètres. Hein. Parce que c'est possible que ça ne les sauvegarde pas si vous n'appuyez pas sur carré. Alors, quand ceci est fait, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur la flèche du haut, aller dans Objet à usage unique. Ensuite, vous allez appuyer sur la pièce d'or, mais vous n'allez pas appuyer sur X, mais vous allez appuyer sur carré 15 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regardez à droite dans le coffre, il est noté 15. Donc là, vous allez dans le coffre. Et là, ce que vous allez faire, c'est créer des coffres. Donc, vous allez spam XX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 
Donc là, j'ai bien lancé le jeu. Je fais 1, 2, 3 pas. Donc là, je suis tombé dans l'eau. Bah, tant pis, c'est pas grave. Je remonte. Hop. Je me remets au bord. Comme ceci. Voilà. Je vérifie que j'ai bien lancé le jeu. C'est bon. Et là, je fais 1 ou 2 pas. Voilà. Là, je lance directement. On voit bien que mon corps est de l'autre côté. Mais j'ai pas été assez vite. J'ai pas su lancer le jeu. Donc là, je vais recommencer. Donc 1, 2 pas. Ah oui, bien entendu, il faut que j'appuie sur option pour le faire apparaître, le mode lancer le jeu. Donc là, je refais 1 et 2 pas, hop, je lance. Et là, logiquement, c'est bon. Mon corps est bien à la moitié de l'île, de l'autre côté du mur orange. Donc quand ceci est fait, vous appuyez 2 fois sur X pour voir si vous pouvez voler à l'extérieur de votre île. Et si c'est fait, et si c'est bon, ben c'est parfait, vous pouvez vous rejoindre le point. Si maintenant, vous ne pouvez pas voler à l'extérieur de l'île, ben, vous réessayez jusqu'à temps que vous y arrivez. Donc quand vous arrivez à voler, ce que vous faites, c'est que vous rejoignez le point. Et là, il va falloir faire très attention de ne pas repasser le mur orange. Parce que à partir de 200-300 mètres, il va y avoir un mur orange. Vous allez voir. Donc voilà, à partir de 300 mètres, vous avancez tout doucement. Parce qu'il ne faut surtout pas repasser le mur orange. Sinon, il faudra ressortir de l'île que je viens de sortir. Mais vous n'allez pas devoir refaire toutes les étapes. Hein. Si maintenant, vous touchez le mur orange là, c'est pas grave, vous faites réapparaître, enfin non, retourner à l'accueil. Ensuite, vous retournez sur votre île et vous essayez de revoler jusqu'ici. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la préparation, comme je vous l'ai dit précédemment. Quand je vous ai dit que c'était la première préparation. Alors, quand vous êtes à 290 mètres, vous êtes devant un mur orange. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur X pour monter. Et vous allez voir qu'à un moment, vous avez vu, j'ai dépassé la limite de tout en haut. Donc c'est ce que vous devez faire, vous devez aller plus haut que la limite. Ensuite vous avancez tout droit, voilà, comme ceci. Vous allez vous mettre au-dessus du point. Donc là plus ou moins je suis au-dessus du point, donc là c'est bon. Là c'est bon. Et là vous allez sortir votre construction et vous allez faire une petite danse, comme ceci. Et là vous allez voir que toutes les pièces vont commencer à tomber. Donc là vérifiez que toutes les pièces tombent bien au-dessus de la plaque. En fait les pièces doivent tomber là où il y a votre ping. Donc vérifiez bien que ça tombe bien. Donc placez-vous plus ou moins correctement. Là, j'ai l'impression que ça tombe bien. Ouais, c'est parfait. Hein. Je pense que c'est bien. Donc quand c'est bon, vous appuyez sur R3 pour descendre. Et là, ça va vous lancer dans la map. Donc ce que vous faites, c'est que vous récupérez toutes les pièces. Enfin, vous ne pouvez pas tout récupérer parce que le maximum, c'est 1 million. Vous récupérez un poisson faille. Ensuite, 2 poissons failles plutôt. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous diriger vers là-bas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre poisson faille comme ceci. Et là, vous allez vous diriger vers là-bas. Mais regardez, là, il va y avoir un mur invisible. Et moi, je dois aller là-bas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur la gauche. Vous allez ici. Et ensuite, vous réactivez votre poisson faille. Et de là, vous replanez jusque à la plaque qui est juste ici. Voilà. Quand vous serez là, vous aurez terminé le glitch et vous allez pouvoir faire un maximum d'XP. Parce que regardez, maintenant quand je vais appuyer sur carré, ça va donner des pièces d'or. Et je vais en gagner, je vais gagner blindé d'XP. Donc là, je gagne 600 XP. Et j'appuie sur carré en illimité pour gagner des XP en illimité. En fait, carrément, j'ai même pas besoin de spammer carré, j'ai juste besoin de maintenir carré. Donc ça veut dire que si vous êtes sur play, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans paramètres, ensuite dans accessibilité, dans manette, attribution des touches personnalisées. Là, vous personnalisez les touches, vous sélectionnez le bouton carré, vous le remplacez par le bouton R1, on va dire. Voilà. Ensuite, vous appliquez. Ok, c'est bon. Vous revenez dans le jeu. Et là, j'appuie sur le bouton R1. Et ça donne des pièces en illimité. Alors, ce que maintenant, je peux faire, c'est mettre un élastique sur le bouton R1 et faire en sorte que ça donne des pièces en illimité. Et regardez, je suis à 998 000 pièces. J'en donne 100 par 100. Donc, il va falloir du temps, énormément de temps avant que ça donne toutes les pièces. Donc là, vous pouvez gagner des XP en illimité sans rien faire si vous mettez un élastique à votre touche. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, dernière petite information. Là, je gagne par exemple 500
Puis, enfin, au début, j'ai commencé, je gagnais 600 XP. Bien entendu, plus vous allez faire le glitch, plus vos XP vont diminuer. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes, en faisant ce glitch, qui peuvent gagner genre 5000, 10000, 1000 XP, peu importe. Enfin, il y a même des gens qui en gagneront beaucoup moins. Donc voilà, c'est un peu aléatoire, les comptes. On ne sait pas pourquoi il y a des gens qui gagnent beaucoup d'XP, d'autres moins d'XP, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est un peu aléatoire. Donc si vous avez de la chance, vous allez gagner énormément d'XP très facilement et très rapidement. Et si vous avez un peu moins de chance, bah, vous allez gagner moins d'XP. Mais voilà, ça reste rentable. Vous pouvez gagner des XP sans rien faire en mettant un élastique sur votre touche. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap le mec et ciao. Peace. Yummy, bro. Yummy, 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 bro. Yummy.